Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'en va. On se casse. On s'en va. Il y a le soleil et les bien. Oiseaux. Ouais, il fait frais, mais il fait beau. Allez, à tout de suite. Eh bien, bonjour à tous, bonjour. Bonjour. On n'a rien de bien que quand on est dans le camping-car, il fait beau. Il fait chaud. Non, il fait pas chaud. Non, parce qu'il a bien neigé cette semaine, hein, quand même. Hein. Tous les jours. Hein. 3 degrés. Ce matin, quand je suis parti au boulot, ça faisait moins 7. Ouais, 3 degrés à 14h. 14h. Mais on est motivé, on y va. On y va, allez. On y va parce que vous verrez dans la vidéo, il y a une petite surprise. Ouais, il y a des petites surprises, il y a des petites surprises. Ouais, il y a des petites surprises. Voilà, ouais. C'est un week-end bien rempli. Ouais. On va dire ça comme ça et puis il faut en profiter parce que on sait jamais, on peut être aussi bien confiné comme dans les Hauts-de-France ou sur Paris. Donc on profite, dès qu'on peut sortir, on sort. Sur la capitale. Voilà. Bon, eh bien, on vous reprendra plus tard. Hein. Plus tard sur la route, parce que là, faut déjà qu'on achète un gâteau. Ouais, on achète. Une de nos surprises. Faut qu'on achète un gâteau. Allez. Et puis, à l'heure où on tourne cette vidéo, normalement, demain matin. Vous avez la vidéo, en fait c'était la vidéo de la semaine dernière. Oui, parce que là, nous... Ouais, avec un titre un peu, la vignette. Ah, ça vous a remué, là. Vous avez eu peur. Ben, nous on peut le faire aussi ça, on appelle ça les vignettes putaclic, on peut les faire aussi, hein. On peut faire ça. Ouais. Voilà. Bien, en tout cas on est là. On est là et c'est reparti. Voilà. Pour des nouvelles vidéos. Et ça vous a motivé, c'est bien. De toute façon, on sait très bien que il y a une communauté qui est terrible. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, et bien sur ce. Sur ce, il y a juste un truc que je veux dire entre parenthèses, qui n'a rien à voir avec ce qu'on parle là. Je veux dire qu'en France, on a des routes. C'est plus des routes, c'est des chemins. Oui. Et puis que. Bah en fait, je pense que l'État français met tout son argent dans les contrôles radars et tout ça. Mais par contre, sur les routes, parce que là, c'est impressionnant. Hein. Bien ce que tu fais, plus les routes, c'est les chemins. Voilà. Rosie voilà, vous montre son derrière. Elle vous fait voir ses fesses. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein, ma cacahuète. Bon, allez, sur ce. Ouais. À plus. Plus tard. Bon, où c'est qu'on est là? On est à Louhans. Louhans? Ouais. Louhans, c'est en Saône-et-Loire. Saône-et-Loire. Ouais. Et c'est super. À côté d'une rivière. Et c'est génial. L'air est juste au bord de la rivière. Pas loin du village. C'est ouais, bien. C'est vrai qu'il y a le village à côté. Il y a tout ce qu'il faut dans le village. Ouais. Bon, d'habitude, quand on n'est pas en période de Covid, on a vu des super restos. Ouais, mais voilà. La tête parce qu'ici, de veau. Voilà, c'est la spécialité, c'est la tête de veau. La tête de veau, le poulet de Bresse. Ouais, c'est. Hein ouais, c'est le top. Mais là, il fait frais quand même. Hein. Rosie, ça va? Super, super! Coucou les amis! Ouais, bah ça a l'air d'aller. Hein. Ah ouais. Bon, puis on aura une petite surprise demain, mais on va pas spoiler tout de suite la fin de la vidéo. Non. Vous verrez demain. Ouais. Voilà. Alors, le camping-car, on est garé là. Voilà. Monsieur Pulse, il est là-bas. Là, il y a un joli Carthago poids lourd qui est arrivé, là. Ouais, c'est sympa. Alors, ça fait pas chaud, hein. Ah, il y a le cabri, là. Regarde. Il y a le cabri là, qui saute, là. Cabri. Hey.
La cabriole. Et vas-y. Ouais, température 10 degrés, hein, avec un vent, ouais, c'est pas top, mais bon. Mais bon. Ah, c'est normal, c'est le début de la saison, puis c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, madame? Prépare l'apéro. C'est du saucisson d'Espelette. Non, pas de d'Espelette. À l'Espelette. Au piment d'Espelette. Voilà. Et là, on va goûter une nouvelle petite bière. Là. Je sais pas. La bière du corbeau. On verra bien. Hein. En fait, on avait dit qu'on arrêtait de boire et puis de manger, mais... Oh, on s'est fait démasquer. C'est pas bien, ça. C'est pas... Ouais, non, mais c'est plus du camping-car si on ne prend pas des bons moments. Donc, nous, on profite un petit peu. Exactement. Voilà. Allez. Oui. Et Rosie, là, elle est intéressée par tout ça. Surtout les apéricubes qui l'intéressent. Ouais. Hein. Mais tu ne montes pas sur la table. C'est la vache qui dit, donc c'est mieux pour elle. Voilà. Regarde ça si c'est pas beau, ça. Regarde. Ah ouais. Regarde ça si c'est pas beau. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Oh là là. Je crois qu'on va se régaler. Bon, on est bien à Louhan, tranquille, c'est calme. On est, je ne sais pas combien de camping-cars, là. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 5 camping-cars. C'est encore calme, hein, pour la saison. Ouais. Mais tranquille, tu dis combien t'as payé? 4,80€ avec les taxes. C'est 4€, mais c'est 80 centimes de taxes. D'accord. Donc pour la nuit. Par contre, pour les. Pour le, comment ça s'appelle? Pour les services, il y a la borne fou bleu. Ouais. Donc voilà, c'est tout. On passe à l'apéro là. On passe à l'apéro. Mademoiselle, ça y est, elle commence à savoir passer d'un siège à l'autre. Ouais, parce qu'elle a appris le week-end d'avant, pas d'avant, celui d'avant encore. Ça y est, elle y arrive maintenant. Voilà. Elle y arrive. Ouais, elle y arrive maintenant. Hein. C'est vrai, hein. Bon, la bière du corbeau, sur un arbre perché. Ça vient d'où, ça? Alors, la bière du corbeau... Nord de France. Nord de France? Ouais, j'ai vu. D'accord. 9 degrés. Oh, rien. Tu veux voir l'étiquette comme elle est belle? La bière du corbeau. Ouais. Ah ben on va tester parce que celle-là on la reconnaît pas. Ouais, faut tester, hein. Ouais. Nous on a aimé la bière. Hein, parce que là, on nous a catalogué avec le Pinot, mais il n'y a pas que le Pinot, hein. Nous non, on aime bien la bière. Nous on aime bien le Pinot et la bière. Voilà. Ah. Et on aime bien déguster toutes sortes de bières. Ouais, exactement. Ça fait partie du truc. Alors, la bière du corbeau. Voilà la bière du corbeau. Voilà la péricube. La péricube, c'est quelque chose. Hein. Hein elle a déjà tout compris. Hein. Ouais, tout compris. Elle dormait à moitié, ça l'a réveillée. Alors rien que d'ouvrir le petit papier, la péricube. Les oreilles. Hein ah ouais, mais on va pas trop donner. Hein. Hein bon, sinon, la bière du corbeau, elle est bonne. Hein. Elle est très bonne. Très bonne, ouais. Ouais. Bien fraîche comme ça. Elle est bonne. Moi, j'aime bien. Sinon, j'ai juste un truc qui me revient là. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé si le chargeur booster énergie mobile, ça fonctionnait bien. Oui, je le dis, oui, ça fonctionne très bien. J'ai pas pu faire de photos ou de vidéos sur la charge en roulant parce que j'ai un problème de connexion Bluetooth avec mon téléphone. Donc j'arrive plus à connecter avec mon téléphone, j'arrive plus à connecter à me connecter au chargeur booster. Ça vient pas du chargeur booster, ça vient de mon téléphone. J'ai un conflit avec d'autres appareils Bluetooth, enfin bon, c'est va falloir que je solutionne ça. Mais oui, ça fonctionne super bien, le frigo marche à merveille, enfin tout top quoi, voilà. Donc ça c'est pour le chargeur booster. On m'a demandé aussi des retours sur... on nous a demandé des retours sur les vélos. Les vélos, on en est super content des vélos bécanes. Impeccable, super. Hein ouais.
D'ailleurs, le prochain essai, faut qu'on fasse avec Rosie. Ouais, hein, mais là, ça faisait trop froid, là. C'est pour ça faisait trop froid, on peut pas l'emmener comme ça. Et puis, nous non plus, on va pas avoir froid non plus. Voilà. Donc, on va attendre quelques temps. Et puis, on fera des essais avec Rosie. Et puis, avec Fabien aussi, avec le chien. Non, mais c'est des super vélos. Ah oui. Ouais, dans la soute, hein. Pliés dans la soute et tout. Non, c'est vraiment. On les a essayés à la maison. C'était sympa. Hein, ouais. Parce qu'on a fait un bon tour. On a tout fait. Goudron, on a fait terre, on a fait monter, descente. On a tout fait, et la batterie, elle tient bien le choc, très longtemps même, ça nous a étonné parce que chez nous, ça monte et ça descend, donc dans les montées, eh ben, c'est pas si simple que ça, et eh ben impeccable, super. Voilà, impec. Ça, c'était pour les Vallaud-Bécard. Ensuite, il y avait quoi d'autre chose, je sais pas, il y en a plein qui m'ont posé des questions, mais ouais, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, je suis désolé, il y a tellement de choses. Il y en a plein aussi qui m'écrivent des mails, mais je le répète, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Vous êtes beaucoup maintenant à me poser des questions et tout ça. Alors, des fois, j'ai le temps, j'ai 10 minutes, un quart d'heure devant moi, donc je réponds aux mails. Mais les trois quarts du temps, la semaine, au boulot et tout ça, je peux pas. Faut qu'on prenne aussi du bon temps pour nous, un petit peu, hein, parce que autrement je passe ma vie sur le téléphone ou sur l'ordinateur à répondre à tout le monde et j'arrive pas, je peux pas. Il y avait ça aussi, puis c'est tout, le restant, non, hein, Monsieur Pulse était opérationnel, il a eu contrôle d'étanchéité, ok, vidange, filtre à huile, filtre à gasoil pour ces 2 ans et filtre à filtre de clim. Voilà, ça c'est ok. Donc il est prêt pour le départ. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Je ne me rappelle plus. C'est tout. Hein? Ouais, c'est tout. C'est tout? Ouais. Bon, voilà. Allez, on va finir l'apéro. Ouais. Après, on va se faire un petit casse-croûte. On va se faire une bonne nuit. Et puis demain, vous verrez la surprise. Là, il y a quelqu'un qui est très 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 intéressé. Bon, alors, elle est noire sur gris, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Ouais. Mais, hein, on va allumer un peu de lumière. Hop. Allumer un peu de lumière, elle est pas mal celle-là quand même. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Là, on va encore se faire reprendre. Ouais. Voilà, mademoiselle, là, très intéressée par... Par ces petites choses-là. Ces petites choses-là. Voilà. Très intéressée par ces petites choses. Voilà, ça c'est très gourmande. Ouais, très très gourmande. Hein. Bon, allez, bonne soirée à tous, à demain. Santé. Santé, bonheur, contact moteur. C'est ça. On va tester le Pulse en mode. En mode ça caille. En mode ça caille. Ça caille chez nous, ça fait froid. Bon, enfin, ça caille par rapport à chez nous, je pense pas que c'est terrible. Hein. Bah, nous, là, ça marque moins 4, je alors, crois. Alors, moins 4, alors regarde. Regarde combien ça fait là. Là, ça fait 4. Voilà, 4 degrés dehors. Ouais, ouais. Voilà, on a 18 dedans. Hein. Ouais. Par contre, à la maison, ça doit faire moins 4. Ouais, à 1000 mètres d'altitude, ouais. Ça doit faire moins 4. Et bon. Fab me fait mon plat préféré. Ah ben, les plats préférés de tout le monde. Des pâtes. Des pâtes. J'adore les pâtes. Moi, je suis pas difficile. Des pâtes, c'est des pâtes. Bon, des voilà. Pâtes hein, allez. Ciao. Ciao, ciao. Ça cuit. Et pas de fraîche. On va se régaler. Et puis après, on va faire un bon dodo au chaud dans Monsieur Pulse. Voilà. C'est ça. Et ben voilà. Donc la surprise du jour. La surprise du jour, elle est à quatre pattes. Elle est à quatre pattes. Ouais. Donc avant de vous montrer, attendez, je tourne. On va vous expliquer. On va vous expliquer. Donc on l'a pour une journée. Ouais, on a Fabien pour une journée, voilà, c'est ça la surprise. Voilà. Donc pour une journée, pour qu'il s'habitue un petit peu à nous, qu'il s'habitue à Rosie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est venu à Louhans. Parce que c'est pas bien loin de l'élevage boule de crème. Donc c'est pour ça qu'on est venu à Louhans. Donc on va vous montrer le pépère. Ouais, parce que c'est un pépère. C'est un gros pépère. Donc voilà, on va vous montrer le pépère. Il est bien.
Qu'est-ce qui c'est ça? Qui c'est ce gros pépé là? Hein? Alors, monsieur Fabian. Monsieur Fabian, c'est un costaud. Hein. Il fait au moins, combien? Au moins 20 kilos. Hein. Je sais pas, vous d'accord. Je sais pas, mais c'est un pépé. Il est gentil ça comme ça. Ça m'a surpris quand il est rentré dans le camping-car qu'il a fallu le porter. J'ai été très voilà. Surprise du poids. Hein? Ah, mon pépé. Il est un peu perturbé parce que. Non ouais, mais autrement, non, il a fait la fête à Fab quand elle est allée le récupérer. Ouais. Non, il est pot de colle. Tu es un gros pépère pot de colle. Voilà. Ouais. Tu veux voir ta tête, mon pépère? Voilà. Ouf, c'est un beau bestiau. Hein? Il est gentil, il fait des câlins. Ouais, il est super. Ouais. Il marche vraiment au pied. Ah ouais, il marche au pied. Ouais. Il marche au pied. Hein. Il faut même faire attention parce que. Il marche tellement au pied qu'on se prend les pieds dedans. Ouais. Donc voilà les amis pour la surprise d'aujourd'hui. Allez, on va continuer. Hop. Notre petit week-end tranquille. Hein? Ouais. Et puis bah, il fait toujours beau, pas chaud. Il fait beau, mais il fait frais. Hein. Ouais, il fait frais. Ouais, il fait pas chaud. Et puis là, c'est encore de bonne heure le matin. Hein. Ouais, c'est un peu de bonne heure le matin. On a dû aller récupérer Fabian. À 9h à la clinique des Alizés, ouais. À Louhans, où Isabelle emmenait Tilda pour une césarienne. Elle a fait 7 bébés. Ouais. Voilà. Les nouvelles du jour. Ouais, les nouvelles du jour. Donc 7 bébés. Alors, c'est les bébés de Fabian aussi, ça? Je sais pas. Je sais pas, Tilda. Si non, c'est rien si c'est, les... si c'est les bébés de Fabian. Voilà, allez. On y va, on va rentrer un petit peu au chaud. Hein. Ouais. Nous voilà pour le week-end, pour aujourd'hui, avec deux boubous. Et bientôt, voilà. bientôt, ce sera deux boubous. Ouais, bah, c'est juste pour la journée, là. Ouais. Faut qu'on s'habitue, et que lui aussi s'habitue à nous. Hein. Oh, c'est un gros pépère qui est gentil comme tout. Hein. Oh, ouais. Oh, puis j'ai ma petite jalouse, là. Oh, ouais. Oh, ouais. Allez. Allez, c'est parti. Fais pas comme ça, je sais pas. Ouais. Ouais. Ah, t'es jalouse. C'est un gros pot de colle, j'ai même. Ah, c'est un bestiau, hein. Un bestiau, les amis. Il faut au moins 20 kilos, le truc. Ouais. Je t'explique pas. Quand tu l'as dans les bras, tu le portes pas pendant 2 km. Hein. Oh là là. Mais alors. Plutôt sur le bulldog anglais, j'ai dit. Ouais, un peu, ouais. On n'avait pas l'habitude de pareil gabarit. Ah, c'est vrai? En tout cas, c'est le pot de colle. Ah, c'est le pot de colle. C'est vraiment le pot de colle. Oh, ouais, le pot de colle. Oh, ouais. Ah, voilà. Voilà, pot de colle. Il est comme ça tout le temps. Il faut toujours qu'il soit. Et puis, il est lourd. Hein. Ouais. Ah, ouais. Ça, c'est un berger allemand sur les joues. Voilà. C'est pot de colle. Hein, ma Rosie? Papa, il est pot de colle. T'en fous, t'as envie de dormir, toi, hein? Ah oui. Bon, bah, Roxane, je pense que quand tu vas venir à la maison, il va pas te lâcher, hein? Ah ouais. Ouais, parce que alors, il nous lâche pas d'une semelle, hein? Et même quand on marche, il est à ras les pieds, quand on marche au pied dehors, quand on va se promener, il nous lâche pas, hein? Essai de la double laisse. Voilà. Donc, ça a pas l'air mal. Hein? Voilà. Alors c'est le système, voilà, ça tourne comme ça. Hop. Allez, on y va les boubous. Allez, on va promener. Allez. Hop, Fabian. Non mais Fabian, il reste au pied lui. Hop. Bon et bien voilà. Voilà, on a été reposé notre Fabian. Oui. Chez l'éleveuse. En attendant que sa stérilisation soit faite et qu'on pourra le retourner le chercher dans 3 semaines à peu près. Ouais, à peu près. Ouais. Voilà. À
Alors il est super. Ouais, c'est un bon pépère. Ah ouais. Très gentil, très 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 câlin. C'est vraiment le gros pot de colle. Ah ouais, et très agréable. Ouais. On s'est promené avec lui, c'était vraiment super. Avec Rosie, ça s'est super bien passé. Ah bah oui, oui. Il était un petit peu stress dans le camping-car au début, puis après il s'y est fait. Ouais, ouais, il s'y est fait, donc voilà. C'était un bon essai avec Fabio. Voilà, c'est bien, ça lui a permis de s'habituer à lui. Parce que c'est clair que ça va être du changement pour lui, hein. Il va partir de l'élevage. Voilà, où il a vécu jusqu'à maintenant, il va se retrouver avec une autre famille, c'est sûr que voilà. Ouais. Oh, il y aura Rosie, et puis bon, nous on est très, très affectueux par rapport aux bêtes. Alors. Ouais, vous savez comment on est avec les bestioles. Hein. Ouais. Comme on dirait l'autre. Bon voilà, sinon il fait toujours frais, hein, 8 degrés. Voilà, on est toujours en Saône-et-Loire, donc on repart. Ouais. Et on va rester en Saône-et-Loire parce que. Eh ben, on va aller faire une visite à à deux personnes que vous connaissez bien. Ouais. Et puis on vous fera voir ça plus tard. Ouais, plus tard. Autrement, toujours bien, c'est bien vert, la Saône-et-Loire, là, l'herbe va bien pousser. Ouais. Il fait frais quand même, mais l'herbe va bien pousser. Puis on aime bien cette région quand même. Ouais, c'est sympa. Et tout à l'heure, hein, il y avait des chevreuils qui couraient dans un champ. Ouais, il y avait un chien qui courait après les chevreuils. Ouais, ça c'était un petit peu moins bien. Mais bon, j'ai l'impression que le chevreuil allait quand même un petit peu plus vite. Ouais, je pense, hein, il va vite se fatiguer le tonton. Voilà. Bon, bah, sinon, sur ce. Cette nuit, on a super bien dormi, le chauffage dans le pull, terrible. Ouais. Au niveau isolation. Impec, bon, avec le plancher, parce qu'on n'a pas un double plancher, alors c'est sûr. Oui, mais on n'a pas eu froid, on a même eu trop chaud. On a même eu trop chaud, je me suis levé, baissé la chaudière. Ouais, il y a un moment donné, oui, il a fallu tout baisser parce qu'il faisait très très bon. Ouais, voilà. Bien, bon, on continue notre chemin. Allez, à tout à l'heure. À plus tard. Deuxième surprise, nos amis Wad et Mumu. Et ouais, nous sommes dans Saône-et-Loire, toujours. En Saône-et-Loire. Toujours à Louan. Et on a rendu visite à nos copains. Voilà. Et on est en train de visiter Louan. C'est une super petite ville. C'est sympa comme tout. Là, il y a Rosie. Il y a Rosie avec son manteau. Ouais. Il fait froid. Il fait froid. Il fait pas bien chaud. Bien. C'est joli, Louan. C'est joli. C'est joli, ouais. Hein ouais. C'est joli. Il y a des belles arcades avec plein de magasins. C'est magnifique. L'aire de camping-car où on est, elle était bien aussi. Hein ouais. Super. Ouais, l'aire de camping-car chez Wad et Mumu, elle est mieux. C'est plus. Ah, c'est chez Wad et Mumu, ouais, c'est mieux. A, bah, ouais. Chez nous, il n'y a pas le train. Il n'y a pas le train. Ouais, parce qu'elle a l'air de Louan là-bas. C'est vrai que l'autre soir, j'ai entendu le train. Voilà. Parce que Wad et Mumu maintenant, ils habitent en Saône-et-Loire. Voilà. Alors, c'est pas la Haute-Savoie, c'est la Saône-et-Loire. On n'est voilà. Plus dans l'Arne, on n'est plus dans le Jura. Voilà. C'est la Saône-et-Loire. Dans la Saône-et-Loire. Voilà, et ils sont venus à Louan parce que Wad raffole de la tête de veau. C'est ça. Ah ouais, mais il faut goûter la tête de veau. Pas Mumu, mais c'est pas grave. Mumu, elle mange du faisan. Voilà, là son ouais. Faisan qui vient lui dire bonjour tous les matins. Ouais. C'est ça. Mais seulement nous on est chez eux depuis hier en fin d'après-midi. Et ben le faisan on l'a pas vu. Non. Par contre on sait pas ce qu'on a mangé hier soir. Alors est-ce que c'était du faisan? Je sais pas. Voilà. Ah, ça, parce que Mumu elle a toujours rêvé d'avoir un beau chapeau en plumes. Et puis voilà. Donc on n'a pas vu le faisan. Donc peut-être. Qu'on l'a mangé, on ne sait pas.
On a fait une fondue au faisan. Voilà, non, c'est ça. Hein, fondue bourguignonne au faisan. Au faisan. Voilà. Ouais, on n'a pas eu la tête de veau. Ça sera pour la prochaine fois. Bon, bah, sur ce, on continue notre balade avec les copains et on vous dit à plus tard. À plus tard. Ciao. Saloperie, tu vas me lâcher, saloperie! J'ai un problème. Oh, vas-y, d'ailleurs. La rue du colonel, à grand. Et nous revoilà. Nous revoilà où? Ouais. Cette fois-ci, il faut rentrer. On a passé un bon week-end, hein. C'était bien. C'était bien, hein. Hein, mes mères, et toi, le bon week-end, il est bien passé? Ouais, c'était un gros week-end, hein. Ah ouais. Bon là. Week-end dans la Bourgogne, en Saône-et-Loire, à Louhans, où on a eu l'occasion de voir Fabien, le papa de Rosie. Elle était contente, hein. On a passé des bons moments, vous avez pu voir Fabien. Là, on va attendre 3 semaines avant de l'avoir définitivement à la maison.
Et puis après, nous sommes allés voir, comme vous avez pu constater, nos chers amis Boitemumu, hein, qui sont d'ailleurs le parrain et la marraine de Rosie. Et du coup, on a passé une bonne soirée avec eux, on a visité le Louvre avec eux. C'était cool, hein. C'était très bien. Ouais. Nous avions plaisir de les voir parce qu'il y avait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Et voilà. C'était bien. Un super week-end. Ouais. Bon, il a fait beau, mais pas chaud. Ouais, il a fait pas chaud. Ouais. Ouais, ouais. Pour se promener, il fallait vraiment s'habiller. Hein. 10 degrés maximum. Ouais. C'était grosse polaire, écharpe. Il y a même un moment donné, j'ai plus bonnet, moi. Mais ouais. Vas-y. Ouais, Rosie, elle a mis son petit manteau. Elle a mis son petit manteau parce qu'elle ne faut pas qu'elle ait froid. Hein. Ah, c'est vrai. Ah ouais, c'est clair. Il ne faut pas qu'elle ait froid. Bon, sinon, là, ouais, il y a quand même du vent. Hein. Déjà, pour venir sur une partie d'autoroute, là, il y avait du vent. Et là, pour revenir aussi, pareil. Ouais, bon, on a fait un petit morceau de route et maintenant, on a repris l'autoroute. Ouais. Parce qu'après, c'est compliqué. Ouais. On doit faire le détour de Genève et tout ça, c'est un peu compliqué pour rentrer chez nous. Tout à fait. Et puis vu qu'on doit être rentré avant 19h. On va dire, en même temps, on a la chance de rentrer pour 19h. Parce ouais. que y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance de partir ce week-end. Parce qu'ils sont confinés. Ouais. Alors nous, on a encore la chance de partir même s'il faut rentrer à 19h. Alors on pense à ceux qui sont confinés. Un jour peut-être ça sera nous qu'on sera confinés aussi, donc on profite un maximum avant que ça puisse nous arriver. Qu'est-ce qu'elle mange là? Elle mange rien, elle fait la petite chèvre, hein. Voilà, donc bon week-end, monsieur Pulse toujours ok? Pulse ok, tout est ok. Le campeur toujours ok? Ouais. Tout est ok? Tout est ok. Et toi, t'es ok? Moi, je suis ok pour reprendre le boulot demain. Ah, on a pas le choix. Bah, on a de la chance, on a des boulots déjà. Ouais. On a des boulots, on peut sortir en camping-car. Faut pas se plaindre tout le temps. Non. On va pas se plaindre. On va dire ça plutôt. On va essayer, si il n'y a pas de restriction à cause du Covid, de partir 4 jours à Pâques. Oui. Effectivement, on verra. On verra tout ça. C'est dans 15 jours, donc tout peut arriver en 15 jours. Ouais, tout peut arriver. Exactement. Tout peut arriver. Bon, sinon, Rosie va nous dire un petit mot. Ouais, Rosie, qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, c'est vraiment super la vie en camping-car. Ah ouais, vivement qu'on reparte, hein. Moi, j'ai hâte, hein. Surtout que j'aimerais bien que mon papa, il soit avec moi, hein. Vivement qu'il soit là, hein. Bon, c'est bien. Ouais, c'est bien, alors. Ouais, c'est bien. Elle est contente parce que ton papa va arriver dans 3 semaines, à peu près. Ouais. Elle est contente, elle a pu se promener avec lui hier, c'était cool. Restez à droite, ferme ouais. 40, direction. C'était un bon petit week-end. Sympa, ouais. Le premier week-end quand on est allé à Chalaz, c'était super aussi. On a passé un bon week-end, bon un peu frais, mais le deuxième week-end il était bien. Voilà. On verra bien un troisième. Hein. Oui. Voilà. Ah, sur ce. Sur ce. On va vous laisser. Oui. N'oubliez pas. Comme d'habitude, de mettre un pouce, hein. De vous abonner, ouais. D'activer la petite cloche et de mettre un commentaire. Mettre un commentaire. Et puis excusez-nous pour la vidéo de samedi dernier, on vous a fait peur. On vous a foutu la trouille, pas comme vous touchez. C'était un petit peu fait exprès, on est un petit peu taquin. Vous savez bien, hein. C'est pas comment. On n'est pas méchant, c'est juste qu'on était un petit peu taquin. C'était de l'humour. Ouais, c'était de l'humour. Ah non mais vous avez bien, vous comprenez bien que de toute façon nous, on aime bien rigoler. Ben oui. Donc c'est comme ça. Allez, sur la route du retour les amis, ouais, on vous embrasse tous. Alors on vous embrasse, prenez soin de vous. Ouais.
Et puis, gros bisous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à samedi prochain, à même heure, même endroit. Je sais pas si on sera dans le camping-car. Ah, on sait pas si on est dans le camping-car, mais sur la chaîne YouTube, je veux dire. Voilà, tout à fait. Allez, bisous. Bisous, ciao.